Un mot sur les conditions de jeu, elles sont vraiment idéales. Le terrain est parfait et le public est au rendez-vous. Voilà, l'arbitre a donné le coup d'envoi. On espère que le jeu sera à la hauteur de toutes nos attentes. Encore une belle occasion. Il peut surprendre et marquer. Oyesh. Levchenko. Yeli. Levchenko. Il reprend le ballon maintenant. Attention en défense, ça va aller très vite. Il essaie de marquer. Il y a trop d'effet dans ce ballon. Même si le tir n'est pas cadré, c'est pas grave. L'important, c'est de s'installer dans le cas adverse d'entrée de match et de les obliger à défendre. Long ballon aérien. Ils peuvent construire quelque chose. Le danger est écarté. Oliech. Il tire. Le portier détourne en corner. En plein cœur de la surface. Là, ils sont sous pression. Il tire au premier poteau. Ça ne surprend pas le gardien. Il arrive à capter le cuir. Autre tête. Merding. Encore une belle occasion. Le jeu est brutal, coup franc. Il n'a même pas joué le ballon. L'arbitre sort un carton jaune. Il pouvait même peut-être sortir un rouge. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Il est dégagé. Il déborde sur l'aile. C'était là l'occasion de marquer un but, mais le défenseur a dégagé en corner. La balle s'approche du but. Superbe envolé du gardien. Stenman.
Encore pas mal de terrain à parcourir. Dans la surface, c'est très chaud. Oliech. Passe profonde, interceptée et dégagée par sécurité. Il frappe au but. C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Oh, il n'y a même pas la place pour passer une allumette. C'est une très jolie passe. C'est dommage, il faut rester concentré pour viser le cadre. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Belle ouverture. Encore une occasion de centrer. La défense est solide. Gêne son adversaire et récupère la balle. C'est peut-être l'occasion d'ouvrir la marque. Il fallait la boxer celle-là. Ballon repoussé des points, corner. C'est un tir brossé. Et but ! Fantastique ! Il marque en début de match. Oh, que ça démarre mal pour les adversaires qui sont littéralement assommés. Christian, c'est une belle rencontre à laquelle nous assistons. Ah, le but de la tête nous a montré quand même que le foot, ça ne se jouait pas qu'avec les pieds. Et qu'avoir la grosse tête, ça pouvait toujours servir. Écoute la foule. Le bruit dans ce stade est vraiment magnifique. Quel bonheur. Il mène grâce à ce but. Un but d'entrée comme ça, je peux vous dire, ça va calmer les esprits. Hein. C'est sûrement un grand stimulant d'ouvrir la marque à ce moment de la rencontre. Va-t-il frapper ? Excellent travail défensif. Le gardien a vraiment eu chaud. Nous avons atteint la 15e minute de la première mi-temps. Il lui a piqué le ballon. Levchenko. Ils ont toujours le ballon. La progression continue. Bonne interception. On peut relancer. Merding. Oliech. Ça peut être dangereux. Bien dégagé. Il s'est interposé au bon moment. Une très longue passe. C'est une remise en jeu.
Ederson. Ils peuvent construire quelque chose. Il tente sa chance. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Changement d'aile magistral. Levchenko. Ce contre peut être redoutable. Ses débordements peuvent être dangereux. Belle opposition, mais il me semble qu'il se jette dans la gueule du loup, là. C'est dégagé. Il y a faute, c'est sûr, coup franc. L'arbitre semble lui dire de se calmer. Un impératif marqué sur ce coup franc pour égaliser. Oh, le gardien le lâche. Le portier détourne au corner. Chandelle. Mauvaise relance. Le danger est écarté. Regardez. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable. Il est bien donné ce ballon en profondeur. Nouvelle occasion de centrer. Encore une occasion de centrer. Bien défendu. Le contre, c'est l'arme fatale. L'arbitre n'a pas sifflé, il faut jouer. Stenman. Bonne action, le ballon est récupéré. La passe a été interceptée. Ederson. Va-t-il frapper ? Il est à plus de 25 mètres. C'est loin du poteau droit malgré un effort appréciable. C'est pas possible de lui frapper, il s'est pris pour un autre. Il s'est un petit peu enflammé sur cette frappe. Ils ont passé les lignes arrière. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué. Si tu laisses libre de tout marquage le passeur et le buteur, voilà ce qui risque d'arriver. Une première lame ajuste l'ouverture et la deuxième marque le but. Ça, c'est franchement. Une avance de 2 buts maintenant. Bon, c'est sûr, ils ont augmenté leur avance. En connaissant l'entraîneur, je peux vous dire, je dis qu'il va y ralentir la cadence. Il voudra qu'ils continuent, qu'ils appuient, qu'ils continuent à attaquer, que les attaquants fassent leur boulot et mettent l'adversaire en déroute. Encore une belle occasion. Merdi. Il reste un quart d'heure à jouer avant la pause. Levchenko. C'est chaud bouillant. Pas mal, mais ça manque de précision.
Et malgré son Diéfala, il a quand même raté le cadre de peu. Bien joué, ça peut faire un contre. Magnifique passe en profondeur. Ce n'est pas une belle frappe, elle n'est pas cadrée. Ah, je pense que c'est un peu précipité, il avait le temps de tout faire. Là, c'est vrai que d'en haut, nous, on a le temps de voir les choses. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Merding. Lecture du jeu, il n'y a rien à dire. Un exemple parfait de changement d'aile sans effort. Une tête énergique. Il va tenter sa chance. Construire quelque chose. Ouverture. C'est bien, il a été lucide sur l'interception, mais il faut qu'il passe le ballon maintenant. Il pourrait marquer à nouveau sur cette frappe. Un nouvel essai. Ah, quel dommage, l'arbitre a levé son drapeau. Merding. Oh yes. Yeli. À travers la défense. Très bonne inspiration sur cette passe. Quel coup de tête! But! C'est au fond du filet! L'arbitre valide ce but et ce joueur est toujours très adroit devant les cages. Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Écoutez la colère des supporters, franchement il fallait s'y attendre car ici on ne cache pas ses sentiments. Seulement un but sépare les deux équipes. Ah, encaisser un but alors qu'on a deux buts d'avance, c'est toujours problématique. Il y a toujours de l'anxiété qui arrive, il y a toujours du doute. Maintenant, il va falloir qu'ils se resserrent les coudes et qu'ils rétablissent leur avantage le plus tôt possible. La domination est totale, c'est presque de la passe à 10 et on va peut-être voir encore un but. Le portier l'a attrapé. Stenman. Il n'y a rien à dire, c'est une faute intentionnelle. Bonne lecture du jeu, il prend le ballon de la tête. Il doit trouver une solution. C'est une tentative de l'homme. Le ballon a été touché par un défenseur, corner. La balle s'approche du but. Tranquille pour le gardien. Stenman. Encore une occasion de centrer.
Facile pour la défense. Le goal la bloque. Stenman. Il reprend le ballon maintenant. Jouer sur les côtés, ça permet de centrer. C'est beaucoup trop dévissé à gauche. Oh, il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Un seul but d'écart à 5 minutes de la pause. Il peut marquer. Il essaie de marquer. Le tir a été dévié. Ballon aérien. Faut dire une balle de golf. C'est trop faible. Ça doit aller au fond. L'entraîneur doit être très mécontent de son gardien, mais heureusement, la défense a très bien réagi sur le coup. C'est un mauvais dégagement. Il a dégagé. Stenman. Bon pressing. Le joueur récupère le ballon. Oliech. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Ils peuvent construire quelque chose. Est-ce qu'il peut frapper? Une minute d'arrêt de jeu indique le tableau. Levchenko, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Levchenko. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. C'est la mi-temps. 15 minutes de repos pour les joueurs et autant pour... C'est reparti, on va voir si les joueurs ont écouté leur entraîneur. Autour du goal de jouer. Oliech. Il va peut-être marquer. Une défense intraitable, superbe. Il reprend le ballon maintenant. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Ederson. Merding. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien. On va peut-être voir de belles choses. Ederson. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Avec un peu de chance. Le gardien l'a détourné en corner. En plein milieu de la surface de réparation, on est vraiment trop loin du poteau droit. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien.
Le duel est remporté, c'est bien. Encore une occasion de centrer. Qu'arrivera-t-il ? Ils ont une nouvelle occasion de but. Ballon travaillé vers la cage. Très bon de la tête. Levchenko. Quelle belle demi-volée! Non, pas ça! On sort de la pause! Qu'avait dit l'entraîneur? On n'a pas le droit de prendre ses buts! Là encore une fois, Christian, la finition est à la hauteur de la préparation. Il faut du talent pour marquer, mais il faut de la classe pour passer. Deux buts partout, ils ont du mal à se départager. Là, c'est vraiment dommage. Deux minutes d'absence, on a vraiment l'impression qu'ils sont restés au vestiaire. Hein. Ça veut dire que pour nous, quand même, la fin du match, elle va être intéressante. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Encore une belle occasion. Liège. Va-t-il marquer ? La frappe a été détournée. La balle s'approche du but. Nouvelle occasion de centrer. Le danger est écarté. Ça peut donner quelque chose. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Balle au pied, c'est toujours efficace, il remonte le terrain. Il tire. Le portier détourne en corner. Un tir brossé. Bien vu de la part du gardien, sans problème. Levchenko, auteur de deux passes décisives aujourd'hui. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal à le faire. But ! C'est vraiment bien joué car ils reprennent l'avantage maintenant. Et avec le coup de boule de voyou qu'il vient de nous mettre, je ne crois pas que le gardien avait une seule chance. Franchement, ce n'est pas étonnant. Il est menaçant depuis quelques minutes. Ce doublé est vraiment mérité. Le score est de 3-2, un but d'écart, c'est pas beaucoup. Oh, il vient encore une fois de casser les reins de la défense. Et ça peut être le but de la victoire. Avec tout ce qu'ils ont donné, remarquez, ça se mérite un petit peu. Hein. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Dévié par le défenseur. Et oui, il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc.
Il aurait pu prendre un carton. Finalement, c'est un simple rappel à l'ordre. Pas assez bien donné. Oliech. Oh, ce ballon va remonter très vite. Il prend sa chance. C'est très loin du poteau droit. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes en me tuant, voilà. Il faut jouer le ballon, pas le joueur, plus fort. C'est un peu loin pour tenter un tir au but. C'est net et sans bavure. Quel défenseur! Le ballon sort du terrain. Nous sommes entrés dans les 30 dernières minutes du match. Joli dédoublement de la part du défenseur. Il a dégagé. Bien vu de la part du défenseur qui dégage en corner. Le ballon est travaillé vers le but. Oh, c'est dedans! C'est dedans et j'en connais un au bord de la touche qui doit maintenant souffler. Ils ont deux buts d'avant. Il te faut vraiment un bon positionnement, une bonne concentration, un bon timing pour marquer des buts comme ça. Deux, l'avance est encore significative. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Levchenko. Faute indiscutable, coup franc normal. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Il devrait tenter sa chance, lui. Il n'est pas avec cette frappe qu'il a effrayé le gardien. Dommage, c'était un coup franc qui était bien tiré. On ne sait pas exactement où il a voulu la mettre, mais c'était bien tenté quand même. Merdi. Qu'est-ce qu'il peut faire là? L'entraîneur ne doit pas être très content. Et à force de faire des grilles au lieu de tirer, à mon avis, l'entraîneur il va commencer à la rappeler sur le banc. Stenman. Le gardien a le jeu en main. Voilà.
Bien joué. C'est maintenant une remise en jeu. Encore une belle occasion. Stenman. La défense est solide. Yeli. La balle n'est pas passée. Encore une occasion de centrer. Oliech. Ils peuvent construire quelque chose. Il tente sa chance. C'est très loin du poteau droit. C'est dommage que sur le transversal pareil, on trouve personne à la réception. Ballon repoussé des points, corner. Ils disent le premier poteau. Oh oui! Désormais, franchement, ils auront du mal à être rejoints. Je pense qu'ils ont fait le plus dur. 3 buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. Leur sera-t-il possible de remonter cela ? Ah là, ils sont bien en place, on les sent bien, ils font bien circuler le ballon. Là, on peut dire qu'ils sont vraiment dans le match, ils ont une avance vraiment importante. À mon avis, ça va être dur de les rattraper. Encore une occasion de centrer. Bien joué de la part de la défense. C'est un bon travail défensif. Presque soif. Ne jamais oublier de jouer le ballon, pas le joueur. Oliech. Ils ont le contrôle total du match et c'est impressionnant. Belle preuve de confiance. Bien défendu, le ballon est récupéré. Bon retournement de situation, il a le ballon. Merding. Ça gagne pas, ça débarrasse, le ballon est expédié en touche. Premier changement opéré par l'entraîneur dans cette rencontre. Et là, sur ce coup-là, il est passé à l'orange. L'entraîneur a bien fait de le sortir. Et il expédie au-dessus de la barre. Même si ça ne réussit pas tous les jours, c'est les genres de frappe qu'il faut tenter. Au moins, ça fait reculer la défense. Et il y aura donc touche.
L'entraîneur apporte quelques améliorations. Ils peuvent construire quelque chose. Belle déviation au corner. Il reste dans la bonne moitié de terrain. Attention à cette touche. Le joueur frappe. Dégagé par le défenseur. Que va-t-il décider? Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. Le ballon est dans les airs. La touche finale laisse vraiment à désirer. Il a essayé de frapper, on l'a senti instantanément. Il a voulu battre le gardien. Et il n'a quand même pas trop cadré son tir. Nouvelle occasion de centrer. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles. Ah, c'est vraiment la tête plongeante idéale. Il ne manquait plus que la piscine au-dessous. Il a mis la tête comme il fallait. Le ballon est passé juste à côté. Encore une belle occasion. Et c'est dégagé. La frappe est décochée. Il y a de la place. Il lâche une frappe directement dans les gants du portier. Passer par le côté, c'est toujours intelligent. Oliège. Le ballon est détourné. Corner. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Ballon travaillé vers la cage. Il vise la cible. Et but. Cet avantage maintenant est quand même considérable. Ça, c'est du remplaçant. Dès le premier ballon, il marque. Et à chaque fois qu'il touche un ballon, il marque des buts. Je dois vous dire qu'il va être le meilleur buteur de la rencontre et de la saison. Non, le ballon a été intercepté. Quel culot, bien joué! C'est malin. Il entre. Et le rebond. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Quel gaffe, il faut faire attention. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Encore une occasion de centrer. Facile pour la défense. Il y aura une minute d'arrêt de jeu. Ils peuvent construire quelque chose. Et pan, quelle reprise de volée! But! Mais incroyable, c'est une véritable piquette à laquelle on assiste. Oui, chaque fois qu'il touche le ballon, tu ne sais pas ce qui va arriver ou ce qu'il va faire. Pour nous, c'est génial. Mais pour la défense adverse, c'est un peu moins. Thank you.
ballon subtilisé par l'adversaire. Encore une belle occasion. C'est terminé, c'est l'heure de regagner les vestiaires.